et bienvenue sur la chaîne du coin du tracteur. Bien connu dans le monde du tracteur et du micro-tracteur, le tondeau broyeur est un outil multifonctionnel pour entretenir les terrains. Très à l'aise dans plusieurs applications de travail, je vous propose un essai dans plusieurs situations. Au programme de cette vidéo, présentation du tondeau broyeur à fluo de chez Leader Agri, test dans 3 terrains différents, entretien, prix et réduction, et nous vous dirons ce que nous en avons pensé. Les tondeaux broyeurs sont des outils de coupe principalement, mais on les retrouve également dans des travaux plus lourds en forestier. Ils seront alors adaptés avec des couteaux différents et bénéficieront également de renforcement. D'ailleurs, nous avons réalisé l'année dernière une vidéo comparative entre les travaux obtenus avec les couteaux fléau et les couteaux marteaux. Je vous la mets dans le descriptif de ces vidéos. Pour réaliser cet essai, nous avons le FarmTrac FT20 de 19 chevaux et le tondeau broyeur Leader Farm de 0,95 cm en couteau fléau disponible chez notre partenaire Leader Agri. Leader Agri propose des tondeaux broyeurs de 0,95 cm pour les plus petits jusqu'à 1,95 m pour les plus grands en version fixe. Ils peuvent être équipés de couteaux fléau ou de couteaux marteau. Pour tous les tracteurs partant d'une puissance de 10 chevaux jusqu'à 70 chevaux et plus. Le fonctionnement est assez simple mais très efficace. Il démarre par l'entraînement du cardan vers le boîtier. Celui-ci renvoie perpendiculairement à deux jeux de courroies. Elles auront le rôle d'entraîner mais également de protéger le matériel du tracteur en cas de choc ou de blocage lors d'un passage sur un obstacle tel qu'une pierre ou une souche par exemple. Elles entraîneront le dernier élément du tondeau broyeur, un axe horizontal qui supporte les couteaux fléaux ou les couteaux marteaux. La hauteur des patins est réglable sur 3 positions et le cylindre à l'arrière offre 5 positions différentes. L'attelage au micro-tracteur se fait par un attelage 3 points universel catégorie 1. Allez, c'est parti, on part sur les 3 zones de travail. J'ai choisi 3 niveaux de difficulté, de l'herbe de 10 à 20 cm, un pré que vous devez sûrement reconnaître, et une partie en sous-bois, et peut-être que nous trouverons la limite du tondeau broyeur. Pour cette première phase de travail, nous descendrons la coupe au plus bas. Pour effectuer ce réglage, rien de plus simple, nous allons repositionner les patins et le cylindre de sortie. Un dernier point avant de partir, on vérifiera que le tondeau broyeur est bien parallèle au sol. On effectuera un réglage sur les chandelles de l'attelage 3 points, ainsi que l'aplomb du matériel que l'on corrigera avec la barre de poussée. Et enfin, nous finirons avec les tendeurs de bras. Pendant les phases de travail, il faudra opter pour une conduite en ligne droite. Tout changement de direction doit s'effectuer sans contact entre l'outil et le terrain. Il faudra alors relever légèrement l'outil pour soulager la contrainte latérale sur les bras de relevage et éviter le marquage au sol. Je vais évaluer le niveau de difficulté de cette première application de travail. Le terrain est horizontal avec peu d'ondulation, une hauteur d'herbe basse. Le tracteur forcera pratiquement pas. Je vais opter pour une vitesse d'avancement en première, gamme haute et en deux roues motrices. Le travail se fait à 540 tours minute sur la prise de force. On descendra le tondeau broyeur par l'action du levier pilotant le relevage du tracteur.
Comme prévu, le travail se fait sans accroc, le résultat est vraiment net, il y a peu d'oubli, mais surtout un profit d'une faible déjection. On poursuit ce test dans cette parcelle que vous devez sûrement reconnaître, car c'est ici que l'on avait tourné une vidéo précédente. Nous sommes sur une hauteur de travail de plus d'un mètre, nous allons remonter les patins et le cylindre au maximum pour faciliter le travail du tondeau broyeur. Pour cette application de travail, je vais pencher pour une vitesse de travail en première d'avancement, gamme M. M pour moyenne gamme, toujours en deux roues motrices à 540 tours minute. Je descendrai les rapports de vitesse selon le comportement du tracteur. Le résultat est vraiment très satisfaisant. Le tondeau broyeur à couteau fléau a bien rempli son travail de broyage. Il y a une faible déjection en rapport de la quantité d'herbe passée. Rendez-vous dans cette dernière parcelle où nous sommes en sous-bois. Il y a le risque de trouver des souches et des branches mortes. Des hauteurs de travail qui dépassent le gabarit du tracteur. Nous sommes véritablement à la frontière entre le travail d'un tondeau broyeur et du gyrobroyeur. Pour parfaire ce test, nous allons œuvrer en sécurité en optant une petite vitesse d'avancement et je m'adapterai en fonction du comportement, une fois de plus, du micro-tracteur. Ce tondeau broyeur à couteau fléau n'étant pas un outil de débroussaillage extrême, il sera compliqué d'avoir un résultat parfait. Cela dit, le travail est quand même très impressionnant. Les roseaux de plus de 2,50 m sont passés sans difficulté. Les branches mortes plus généreuses auront raison de ce tondeau broyeur. Ici se trouve sa limite. Nous allons rester raisonnables, le but n'étant pas de tout casser. Avant de parler du prix, l'entretien. Le tondeau broyeur possède 4 graisseurs, il faudra graisser à chaque utilisation. Et 2 dans le cardan. Le remplacement des deux courroies doit se faire toutes les 500 heures de travail. La bonne tension recommandée sera de 1 cm pris au milieu des deux galets. Il est recommandé de vidanger le boîtier tous les ans avec une huile en 80W90. Toutes les recommandations sont dans le livret constructeur fourni avec le tondeau broyeur. Le prix est de 1 249 € TTC, livraison offerte. Mais avec notre code promo Le Coin du Tracteur qui est disponible sur notre site internet, vous pouvez faire une économie de 25 €. Si vous ne savez pas comment utiliser les codes promo ou la commande par internet sur le site Littoragri, je vous conseille cette vidéo que l'on a réalisée. Enfin, ce que nous avons pensé de ce tondeau broyeur. C'est un outil multifonctionnel. Il ne pourra pas remplacer le travail d'un gyrobroyeur sur tes très gros travaux. Malgré tout, le résultat est très satisfaisant avec un bénéfice d'une faible déjection. Pour nous soutenir, rien de plus simple. Un pouce ou alors cliquez sur s'abonner, c'est complètement gratuit. C'est juste un clic et cela valorise notre travail. Merci, à très bientôt et surtout, portez-vous bien.